tu es conscient. Oui, je tue plus que je mange. Tu fais comment pour tuer? Quelle est ton arme? C'est mon anus qui est mon fusil. Comment il fait ça? Elle fait comme ça, parce que c'est la position qu'elle adopte pour voir. Allez, russes l'ont embauché. C'est une femme. L'âme de cuillère. Comment tu fais? Une dernière fois, je vois. Comment ça fait pour tuer les gens? Et puis ça soit goût. Ils ont trop possédé les saucisses. Les saucisses sont possédées. Tu as une âme, hein? C'est une âme chimique. Donc tu viens sortir les saucisses. On vous a laissé ici pour vous suivre, pour vous encadrer. Mais cette semaine-là, elle va la libérer. Qui veut laisser? Ouais, toi viens ici. Non, tu es grâce aussi. Mets-toi là-bas, pas tes mains bras. Merci. Tu es sorcier. Tu as fait quoi? Hein? Allez-y, vite, il n'y a pas votre temps. Hein? Oui, c'est qui tu as fait pour toi? C'est-à-dire, c'est pas moi qui a tué. C'est qui tu as dit, la faute dit. C'est qui tu as fait? Il tue, on peut carrément. Hein? Il tue. Je n'ai pas le temps, hein. Tu m'as vu là, je n'ai pas le temps. Hein. Si tu veux, je suis. Temps. Et puis on bataille, on mange. C'est moi, je suis allé te chercher, ton voisin. Non. Vous comprenez, écoutez très bien. C'est pas moi qui vais aller chercher. C'est toi qui es venu ici, pourquoi? Pour te réveiller. Alors, donc vous parlez, c'est forcé. Non. Tu parles. Donc oh, vraiment, il sait que c'est pas un bon truc. Donc, c'est vrai qu'on me délivre. Le travail que tu fais là. Il peut plus faire ça. Ah ouais. Parce que. Dans la vie qui est là, c'est Dieu, Dieu est puissant. C'est maintenant que tu sais ça. Et dans la vie, l'homme, Dieu est puissant. C'est pas que c'est pas ça. C'est maintenant que tu sais que Dieu est puissant. Comme c'est ça, il veut dire la vérité. Voilà. Tu as dit quoi? Il veut dire la vérité. Ok, comme sorcier. Toi, tu as dit la vérité. Tu sais dire. Ça, il dit que. Tu as dit la vérité. Il a dit la vérité. Tu as dit. Ok, je t'écoute. Parce que l'autre jour, tu dis que. Okay. L'autre jour, tu as dit la vérité. Tu as dit, je suis. C'est pas moi qui ai dit, c'est ta vérité, ta vérité. L'autre jour, moi, et c'est que. La nuit, je suis comme Hibou. On promène. Toi, tu es l'homme, tu viens Hibou. C'est ça qui me fait que ça me fait mal. Actuellement, ça me fait mal comment? Non, c'est pas bon. Avant, je ne suis pas comme ça. Parce que tu as mangé choubi empoisonné. Tu as mangé l'homme serré dans ta gorge, voilà. Oui. Ah, donc c'est lui qui te fait délivrer. Je veux que ça va finir. Ça va finir. Il a fini, ça va caler encore bien. Pardon. Écoute, tu peux laisser les poulets au marché. Et puis c'est l'homme qui mange. Comme tu as mangé, tu as mangé qui même s'est resté dans ta gorge. Et Denis là, c'est un ami. Ah, faut parler. Quand il m'a dit ça, c'est arrivé dans ma gauche. Comment tu as fait? J'ai avalé et puis c'est bloqué. Toi, tu ne marches pas pour lui, il est tellement rapide. Les gens prennent le temps, ils marchent doucement.
Moi-même, je suis parti à la maison, hier, il était ici. Donc, je courais pour lui. Je lui dis donc, Dieu merci. Je suis content de ça. Je suis content. Mais pourquoi nous envoyer comme ça, comme ça? Non. C'est la maison où ça? Ça, je suis à la table. Il y a qui là-bas? Il y a mon neveu là-bas. Comment il s'appelle? Comment tu t'es retrouvé ici? Qui t'a parlé d'ici? C'est mon grand frère, professeur. Quand j'étais malade au campement, c'est lui qui est parti me chercher. On a parlé, c'est pour dire non, le prophète Crasso nous a forcé. Non, c'est lui, ma mari dit. Non, je dis. Après, c'est pour dire non, on t'a forcé pour parler. Non, hein? Non. Non, je n'ai pas dit ça, hein. Ah. Je n'ai pas dit ça, non. Est-ce qu'on se connaissait avant? Non. C'est toi qui es venu ici, c'est vrai? On se connaissait avant? Non, on ne se connaît pas. Vous allez quitter, c'est pour dire non, le prophète. Non, je n'ai pas dit ça. Non, tu pas dit. Mon papa, il n'a pas dit ça. Okay. Jamais. Donc, tu as fait quoi? Celui qui est allé tuer là. Hein? Tu voulais manger quelqu'un là-bas, n'est-ce pas? Et puis s'opposer à ça, c'est pas ça? Ouais. Et ses parents, puis tu l'as attrapé pour le manger. C'est à toi, je demande. C'est ça? Oui, c'est ça. Comment il s'appelle? Il s'appelle Odou Bambou. Tu l'as mangé. C'est quelle partie qui est restée dans ta gorge? C'est le cœur. Quelques mots là, c'est resté dans ta gorge. C'est devenu os. Quelques mots. Vite. Pourtant, ça vient dans la gorge. Tu dis, hein? Quand il m'a dit ça, il est tombé malade. Pourquoi? C'est Dieu ne veut plus. Dieu quoi? Parce que ça ne veut plus. Dieu ne veut plus. Que tu fais quoi? Parce que j'étais là, mon grand frère, il a rêvé, il a vu ça. Ça il laisse le grand frère à rêver. Tu as programmé des gens. Mais j'ai échoué. J'ai programmé, mais j'ai échoué. Mais qui sont tes programmés? Tu as programmé combien? Deux personnes. Pour manger en janvier. Là. Un en Noël et puis un en janvier. Qui devait manger en Noël? Parce que tu ne peux pas rouler là. Chacun s'apprête. Noël, c'est le vendredi. Chacun. Guette en train de guetter un poulet. C'est mon chapeau. C'est qui t'a programmé la nouvelle? Une femme. Hein? Elle n'a pas de nom. Elle m'a dit. Elle va faire à où? À où? Tu es là à manger. Monsieur, parlez bien, tu dis. Tu es là à manger. Oui. Tu l'as attaché. C'est maintenant qu'on a commencé à attacher. Ouais, tu l'as attaché. Je les connais. Tu l'as attaché. Tu vas la manger. Oui. Au janvier, là, c'est qui? C'est un garçon. C'est qui? Il s'appelle Kwasi. Il est où? Ils sont où? Faites le campement là-bas. Le sorcier, c'est bête, hein? Et ton frère qui t'a envoyé chez nous? Il n'est pas là. Il est parti au champ, il n'est pas là. Si les gens vont continuer. Je pense qu'il va venir vite. Tu es là? Vous le connaissez? Oui, c'est mon beau. Oui, venez avec lui. Bah, moi, je suis venu sur mon camp. Mais comme l'autre n'est pas là. Je lis ton carton. Bon, il m'a laissé la consigne. Bon, que lui s'en va au champ. Je suis de veiller sur lui, je suis sorti pour aller loin. Bon, il n'a pas dit tout ce qu'il y a. D'accord. Ne t'es pas mis dans ton cas, tu veux le suivre. Non. Moi-même, je suis malade, je suis venu sur mon cas. Bon, comme je suis venu, je l'ai trouvé ici. Je l'ai trouvé ici. Oui. Il a tué combien de personnes?
Où est ton périgeoir, tu mets pour embouter les gens? Périgeoir n'est pas ici. C'est où ça? Au campement. Est-ce que tu prends? Tu veux quoi ça? On prend pour charger la lame. Hein? Les lames, lames. On prend pour chercher l'âme et puis les poursuivre. Hmm? On prend pour chercher l'âme et puis. Faut expliquer ça, explique. Comment ça se fonctionne? Parce que à travers de ça, on peut le trouver. Comment tu fais? C'est ça qui est. Mais faut expliquer, c'est compliqué comment? Il fait quelque chose d'expliquer ou bien comme ça, là, quoi. Là, c'est facile. Hmm? C'est facile là, à les trouver. Non, tu n'expliques pas. Dirigeant, là, tu fais quoi ça? Comment tu fais pour attaquer les gens? Il est quel ethnique? Quelqu'un peut parler en bavoué là, comme ça? Non, 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 faut dire. Je veux traduire. Oui. Ah, où me Non, c'est ça qui ne veut pas, oui. Ah, ouais, c'est celui-ci. Tu dis, prends le pigeon pour chercher l'âme des gens. Le pigeon, il fait quoi? Il prend pour chercher l'âme dans la vallée. Il prend le pigeon pour chercher l'âme des gens. Comment? Tu peux expliquer? Je vais expliquer comment? Et ouais, à tout le monde. Parce qu'on va. Il cherche ça comment? Donc, il y a un peu Bon, tu es parti, c'est ça? Non. On va te dire que tu es parti. Non. Hein? Tu ne peux pas parler. On va te dire de partir. Non, là, ici, il faut savoir. Il dit que le pigeon représente comme un miroir. Pour trouver l'âme des gens facilement. Comment il fait? Il détruit ça comment? Ouais, il va aller où, mais de façon simple, ok? Il dit le bourgeois représente comme appareil photo. Et comment il fait? Il détruit ça? Il dit qu'il y a une clé quand il regarde dedans, tu vois. Et on croit après. Pirigeau là, c'est ce que tu. Je sais pas, toi, comment tu utilises? Quand tu pompes ça comme ça. Comment tu pompes? Celui que tu veux tuer là. Il apparaît devant toi, tu vois ça? C'est ça. Quand tu pompes ça comme ça, il sort devant toi, voilà. Maintenant, tu cherches à le prendre, tu l'envoûtes. Oui. Comment ça, tu travailles? Ouais. Maintenant, quand tu veux gâter les gens, tu pompes sur lui, puis tu le gâtes. Oui. Ah, mais pourquoi tu dis pas tout ça? C'est moi qui comprends. Tu veux me fatiguer? Non. Donc, tu vas partir? Non. Tu vas partir comme ça, ce qui est dans ton ventre ici, là. Tu vas aller avec ça. Mais quoi, vous avez peur de mourir? Où est les sorciers dans la maison? Vous avez peur de mourir? Comment c'est le coup en boulet? Tu dis oui? Tu as peur de mourir? Il est comme une. Il a peur. Oh, tu envoies les gens là-bas.
Mais si tu ne parles pas, moi je l'ai, je ne veux pas divorcer. Il dit si c'est le bonheur de l'État encore que lui veut le faire, il va mourir. Il va quitter le monde. Ici, le note ici, là, tu dois être délivré pour parler. Maintenant, si je parle, là, si moi, maintenant, je parle. Il dit comme ça a duré. Il se rappelle de tout, il se rappelle pas de tout, je sais. Tu veux que le canari là? On va passer, on va aller à la fin du monde. C'est quoi? C'est une arène, je veux dire, on va dire. Ton canari de sorcellerie là, tu veux voir ça? La baisse est à la fin du monde. Baisse est. Famous. Il dit pas que je l'avais. Là-bas, tu gardes la chance des gens. Mais le canari peut aussi quitter. Comment il parle? Monsieur, comment tu es bien venu ici? Non, c'est moi-même. Toi, tu es venu, non? Toi-même, tu vas repartir. Toi-même, tu es venu, hein? Et tu n'as pas envie de te soigner. Tu n'as pas envie de parler, tu vas partir. Pourquoi tu n'as pas laissé pour l'homme, la vie c'est chat. Je voudrais que tu touches ça. Pourquoi? Baba,
et à abandonner. Disons. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Non, ici, il y a toi, on te loue, il fallait faire sorcier chez les gens, on te paye pour ça. N'est-ce pas? Oui. Tu vas aux États-Unis, tu vas partout où tu es. C'est pas ça? Partout à vous. C'est ça. C'est ça. Il n'est pas le seul, il y a plein de monde. Ah. Quand tu es venu ici, tu as voulu faire quoi? Tu voulais faire quoi? Non. Parce que ce matin, là, tu es bien habillé en société. Tu voulais faire quoi? Ah, on là, ouais. Tu voulais faire quoi? Parce que non. Mauritanie allait faire briller là-bas.
une visa gratuite. Ça a un demande de visa, sinon il y a droit de maman. Il faut partir. Tu n'as pas dit 12. Ah, c'est 69 maintenant. Tu n'avais pas dit c'est 12. Mais pourquoi il disait c'était 12? Il dit que tu n'as pas raison, donc c'est Jésus, il faut que tu dis la vérité. Non, tu t'as prêté aujourd'hui, comme je t'ai vu là, tu disais que je vais des potes. Tu t'as prêté, tu vas me manger. Tu peux me manger? Non, je vais quoi, quoi. Il y a une sauce au berger, tu peux me manger? Non. Tu peux me manger? Non. Tu as tué 69 personnes. Il dit sur les 69, il doit augmenter deux personnes de suite, ça n'a pas pu. Et il dit ça. Tu vois, tu n'es pas prêt à changer. Et moi, à comment t'as pas dit? Je t'ai dit, tu as dit. Ça fait du mal. Pour partir, on ne va pas s'attendre. Tu veux manger? Il dit, tu es venu me tuer. Je vais vous tuer. Je le laisse, il n'a pas parti. Pourquoi? Ah, tu veux me manger? Je suis devant toi, tu veux me manger? Tu me vois pas en délivreur, tu me vois en canard. Tu vas manger ces sauces aubergines. Eh, foutu nyam. Pardon beaucoup. Bon, moi je te délivre plus. Faut aller chercher délivrance ailleurs.
il vous pardonne et il va s'engêner en bas de vous. Regarde où il y a un micro. Regarde là, il est tiré. Quand il y a un petit peu de vous et le plus de ça me dit rien. Dans une autre chose, les gars sont comme nous. Non, pas à ça. Pas dehors, là, faut te changer. Voilà, qui veut parler?